Alors, heureux de vous retrouver en cette soirée du 14 avril 2020, 21h17. On travaille un peu ce soir. On change les habitudes. Heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Il y en a plusieurs qui dorment, j'imagine. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne dors plus beaucoup parce que je dois vous avouer que je ne suis pas trop fatigué. mais je reste au lit quand même, même si je dors pas la nuit. Puis je regarde la télé. Je regarde pas la télé, mais YouTube surtout. Puis j'écoute des gens intéressants. Mais je vous avoue que je dors pas beaucoup. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai parlé à beaucoup de gens que je vois habituellement au travail, avec qui je garde un petit contact téléphonique en ce moment. Puis il n'y en a pas beaucoup qui dorment. Donc on va aller voir c'est quoi cette histoire-là qui nous vient de l'Union, qui m'a été envoyée par... J'ai oublié le nom de l'abonné, mais on le salue. Il va se reconnaître. Il voit défiler des dizaines de lumières dans le ciel marnais. À deux reprises le mois dernier, un témoin domicilié dans un village du Nord, rémois, a observé le passage de plusieurs dizaines d'objets qui se suivaient. Point d'OVNI, mais des satellites très particuliers. Sa première observation date du 9 mars, il était 6 heures du matin. « J'étais devant chez moi, à Boult-sur-Suip », se souvient Denis Paulet, quand j'ai vu un point brillant de couleur blanche qui se déplaçait dans le ciel. J'ai pensé à un satellite, mais un deuxième a suivi, puis un troisième et un quatrième. Pendant 5 minutes, j'ai dû en voir passer une centaine, nous dit-il. J'étais sidéré. Par peur des moqueries, M. Paulet s'est bien gardé de claironner son observation. Il n'en a parlé qu'à des proches, notamment des amis de Bazancourt, le 31 mars, vers 21h20, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils voyaient la même chose. Je suis sorti cette fois, et cette fois, j'ai observé 3 points lumineux d'un blanc brillant qui avançait en triangle. À l'arrière de ce triangle, un autre le suivait, mais sa couleur était jaune, rouge, vert, et puis ce fut une déferlante d'autres points lumineux en ligne qui allaient de l'ouest vers le sud-ouest. Il pense en avoir compté une centaine. Mais qui était donc? Qu'est-ce que c'était donc, cette histoire-là? En fait, ce n'était point des ovnis, mais des satellites Starlink dont l'existence est largement ignorée du grand public. Les premiers lancements datent de mi-2019. Depuis, nous sommes souvent contactés par des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils ont vu, indique Pascal Fechner, directeur du MUFON France, réseau spécialisé dans l'étude du phénomène OVNI. Le projet Starlink, ce sont des centaines de satellites lancés par la société SpaceX. SpaceX, hein, d'Elon Musk, un milliardaire un peu fantastique, ou un peu fantasque plutôt. Et c'est lui qui a envoyé une voiture dans l'espace. Le but est d'améliorer la couverture Internet des pays les moins développés. Mais c'est un projet décrié, car Elon Musk pourrit le ciel avec ses satellites. Il y a des risques de collision et la lumière qu'il reflète gêne les astronomes. SpaceX a déjà effectué 6 lancements, 60 satellites. D'un coup, au début, ils sont très serrés, ce qui donne l'impression de voir un train passer dans le ciel. C'est très spectaculaire, confirme M. Fechner. Et ensuite, au fil des rotations, l'effet s'estompe. Les satellites prennent leur écart et s'installent sur leur orbite respective, car tous sont programmés pour avoir une altitude spécifique. Les wagons n'ont pas fini de défiler dans nos cieux. D'ici le milieu de la décennie, SpaceX veut lancer 12 000 satellites. Wow! 12 000 satellites. Imaginez-vous, on n'est pas sorti de l'auberge avec M. Elon Musk, avec ce chapelet de lumière qui sont en fait, eh oui, des satellites. Je vous reviens, mais ça n'enlève pas le fait qu'on a des visiteurs aussi et qu'on voit beaucoup d'observations d'OVNI dans le ciel. Mais ça, c'est des satellites. D'ailleurs, je vous reviens...